dans un écrin de neige, Megève se raconte autant qu'elle se vit. Aujourd'hui, Megève s'est parée de blanc et s'illumine avec le départ de la quatrième étape de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Ils sont Limited, bien sûr, ils sont Open également, mais aujourd'hui, c'est également le départ du second trophée, le trophée France Bleu. Justement, juste avant le départ, Olivier, tu es relation musher. Ton travail est essentiel avant le départ. En quoi consiste-t-il ? D'amener tous les attelages sur la ligne de départ et de répondre à tous leurs besoins en dehors de la course. Et on a quand même 50 attelages, donc ça fait beaucoup de monde et souvent beaucoup de problèmes à gérer. Les attelages sont prêts ? Sur le qui-vive, bientôt ils seront sur la ligne. Sur le qui-vive, bientôt ils seront sur la ligne. Vous aussi, vous êtes prêts ? Bon ! Cette épreuve à Côte 2000 était aussi la première des deux étapes prévues sur cette édition, comptant officiellement pour le championnat du monde de la Fédération internationale des sports de traîneau à chiens. Aujourd'hui, les attelages ont parcouru 32 km sur le domaine nordique de Megève. Aujourd'hui, le profil, c'est un profil nordique, donc très vallonné, ça monte, ça descend, avec quelques virages techniques. Après, difficile pour les chiens, vu que c'est de la neige fraîche, il y avait des endroits où ça plantait, il y avait un peu des trous, mais autrement, c'est un magnifique parcours. Une étape catastrophique. Ils avaient un rythme lent, donc on est resté lent, très lent. Je pensais plus facile physiquement, finalement, constamment en faux plat, donc dur quand même. Mais on se régale, on est venu pour ça aussi, donc on sait à quoi s'attendre sur la Grande Odyssée. Journée magnifique, on a eu 2-3 belles bagarres avec les Nordiques là. Puis sur la fin, ben voilà, c'est pas les chiens qui manquent de physique, c'est l'homme. En catégorie Open, l'Allemand Sylvia Ulrich a décroché sa première victoire d'étape. En catégorie limited, la Française Cindy Duport monte sur la première marche du podium, réaffirmant sa place de leader au général. Sur le deuxième trophée qui commençait aujourd'hui et s'achèvera demain, la Française Aurélie Delatte devance largement ses concurrentes Elsa Jugla et Violaine Gros. La course est encore longue. La cinquième étape à Pézé-Valandry pourrait réserver quelques surprises.